Aquaba, propatita noé. Yugu mata, nyamie fali manioke atiu. Aquaba, propatita noé. Yugu mata, nyamie fali manioke atiu. Nyamie mamu e bajai. À tous les mamans apôtres, écoutez la mélodie maintenant. Me voy a ti, cuando un día que creyó en mi enamorado.
nande o la voisin. Akwaba yami wa e. Kambe onda kle yami nande o la voisin. Akwaba prophète d'Anoé. Baba kambe onda kle yami nande o la voisin. Vie me pa de waba o. Vie me pa de la ma bien. Vie me pa de la ma duma. Osuna imbre wakana vyesu blood nya wawe wakana vyesu naka sanje kari aja wanya wabao baba nya umeti ole mafrule aja nwo papa ya fe wa papa si baba ya kie kambe unja kire nyamia baba kisina sika yoli miliai baba na sika yoli miliai ufanya mienyo mo. Ufanya mienyo kula ho baba. Bongo no fomwe baba. Dima kula fwe baba. Subre fomwe baba. Abidja fwe mba kwa kwa ma. De ta besoin de foyer. De ta besoin de mariage. De ta besoin de sisè. Baba 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 bosyo. Baba. Mienyo ho. Tiens papa. Yeah.
déclare au Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Homme de temps augmentement, homme il est maintenant, et il sera éternellement. Amen. Nous sommes à notre culte de délivrance et de révélation ce matin. Le culte de délivrance et de révélation qui ne dépend pas d'une église, mais qui dépend de Dieu et de son serviteur qui le choisit. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours parlé que Dieu appelle une personne, il lui confie une mission et il le gère comme il entend. Quand Dieu appelle quelqu'un là, il ne prend pas témoin. Toi seul, que Dieu parle à toi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ce matin, ce qui me réjouit, c'est que Dieu, il est Dieu. Et il n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Alors, pour ma part, je vais danser. Ce que je peux faire pour Dieu, c'est de danser pour glorifier son nom. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas chanter. Donc, ce que je peux faire, là, c'est pour danser. Danser là, au moins, j'ai appris un peu. Comme il est dans le train, là, voilà. Alors, j'ai commencé le travail de mon village, là. Ah, c'est un grand travail. Je vais finir. Et si Dieu me dit de partir m'asseoir là-bas, je m'en vais. Si Dieu dit de rester ici, je reste ici. Si Dieu dit de partir là-bas, vous allez me suivre là-bas. Assez au coin. Alléluia. Amen. Je vais construire deuxième basilique. En Côte d'Ivoire. Rien à faire. Les maisons que j'ai pris pour clôturer, déjà la maison fait 72 chambres. 72 chambres. Alors, je vais faire basilique là. Pour faire ceux qui se prétendent prophètes qui ne le sont pas là. Amen. Pour faire ceux qui se prétendent le prophète qui ne le sont pas. Amen. Amen. Oui. Je vais glorifier le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Mais attendez, quand on voit construire basilique là, l'année qui a suivi là, après il est parti. Hein. quand je me suis rappelé de ça, j'ai dit attention. Mais vous voyez lui la construire et puis il est parti. Moi, je vais construire et puis rester dedans. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien. Il y a un témoignage. Il doit en avoir. Parce qu'il y a un artiste qui était là le vendredi surpassé. Elle a chanté et puis il y a une femme enceinte qui a dansé. Ah vous, il y a un témoignage. Ça n'a pas été signalé, c'est quoi? Maman Chantal, les enfants n'ont pas signalé les témoignages là. Donc s'ils n'ont pas signalé, on ne parle plus de ça, on n'a qu'à laisser. Tu as parlé ça à qui? Donc vous voulez dire qu'à vous, maman quoi? C'est avant c'est passé qui a mis tous ces détails là. Sinon c'est la même chose. Quelqu'un remercie à cause de quoi? À cause du témoignage que Dieu a fait pour lui. Donc quand il dit remerciement là, c'est ça. Quand il veut témoigner de reconnaissance. Donc c'est remerciement là. Quand on parle de remerciement, tout ça là, ça rentre dans. Donc là on a ça. Ok. Donc je vais danser. Parce que la femme qui est enceinte là, elle a été opérée à deux reprises dans l'accouchement.
Le troisième fois, elle devrait mourir. Elle est venue. C'est moi-même qui a fait l'accouchement. En tant que docteur et gynécologue. Avec ma prière là, dans ma prière, il y a la médicinale, il y a la chirurgie, il y a même la pédiatrie. Parce qu'on a mis un enfant au monde à Demokro à l'hôpital. L'enfant est sorti avec ses intestins dehors. Demokro, il ne peut pas. On dit Yamsoukro. Yamsoukro, on dit non à Abidjan. Mes parents étaient fatigués, ils l'ont envoyé. Arrivé ici là. Pareil, c'est un bébé, c'est pas tout le monde qui peut prendre. Donc, bébé de 3 jours. J'ai fait l'opération et j'ai mis les intestins dedans. J'ai dit à ses parents, l'enfant n'est pas venu pour rester. Sinon, ce que j'ai fait là, il peut sauver sa vie. Mais quand il va voir que ses intestins sont rentrés, qu'est-ce que le mystère qui est dedans? Cet enfant, on dit, dans les temps passés, cet enfant était un gangster. Dans sa vie physique ici là, ça dit que c'est les bandits de Agamé là. Il te dit, donne-moi ton argent, tu ne veux pas là, il met un couteau dans ton ventre. Et c'est ainsi qu'il a mis couteau dans le ventre de quelqu'un. Et puis ses intestins sont sortis. Et quelqu'un lui aussi, on l'a piqué. Lui aussi, quand ses intestins étaient sortis, il est mort. Et quand il est mort, il est parti dans le monde des morts. On dit, arrête-toi ton intestin dehors là. Va, tu vas faire entrer dedans avant de venir. Donc il n'a pas été accepté. Ça n'a pas duré. L'enfant s'est métamorphosé et on l'a mis au monde encore. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est une réalité. Quelqu'un qui meurt, qui n'a pas été accepté là-bas, là, on le remet au monde en même temps. Souvent même, c'est la même femme. Parce que une année, la maman de madame, maman Thérèse, m'avait expliqué dans les villages. Elle-même m'a dit, mais elle, c'est ma femme, je ne peux pas la croire, mais c'est sa grand-mère qui a dit, et puis je crois. Un jeune qu'on a mis au monde, il est mort. Après, sa maman a pris grossesse, on l'a mis au monde. Il est mort encore, on a pris l'âme. On a rasé son côté là, waouh. Sa maman a pris grossesse. Et il met l'enfant au monde. Là, elle est rasée là, ça est là. Aujourd'hui où je parle, là, jeune, là, il est devenu gaillard. Il est là. Donc celui-là est venu, on dit on ne peut pas t'accepter avec eux. Donc il faut qu'on va remettre dedans. Mais quel docteur qui peut faire ça si ce n'est pas ici? Quand j'ai mis dedans, je l'ai dit, l'enfant, il sera maintenant accepté dans le monde des morts. Il va parler. Alléluia. Amen. Donc dans ma prière là, il y a la médecine. Il y a la médecine moderne même. Parce que sur l'inspiration, il y avait chose. Un gendarme qui allait à l'hôpital. Je lui ai prescrit des médicaments. Il allait, le docteur, le pharmacien lui dit, mais attends, quel est ce docteur qui te donne ces médicaments-là? Il n'a qu'à envoyer son ordonnance et son numéro, on va l'appeler. Il dit non, c'est un homme de Dieu qui... C'est quand il dort là dans son inspiration, Dieu lui montre les médicaments, le nom du médicament, et puis comment on fait. Et puis, le docteur, le pharmacien, là, dit qu'il n'est pas d'accord. Il a donné mon numéro, il m'a appelé. Il m'a dit comment ça se passe. Parce que le nom du médicament qu'il a dit là, vraiment, nous-mêmes, on est truc là, on ne connaît pas. J'ai dit, hein, il a son nom facile. J'avais prescrit un aquao. Il allait fouiller dans toutes les pharmacies, il ne trouve pas. Diclo-teng. Quand on ne voit pas, il dit, faut dire diclo-san. Quand il a dit diclo-san, on regarde dessus. C'est diclo-san. Mais on a écrit dessus diclo-teng. Alléluia. Donc la femme qui doit accoucher son troisième accouchement, on doit l'opérer. J'ai fait, c'est passé. Elle a pris 20 ans encore. Et cette fois-ci, le sorcier dit, 20 que tu as pris là, tu ne vas pas vivre avec ça, tu vas mourir. Il avait 2 enfants dans son ventre. Mais elle a couru pour venir ici, se cacher. On a prié jusqu'à... Quand la fille a chanté, j'ai commencé à danser. Et la femme a dansé.
Et puis nous, on lui a dit que tu devrais mourir dans ton accouchement. Mais comme tu as dansé, si on demande, on va te donner la vie. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Avant-hier, c'était quel jour? Mardi nuit. Lundi nuit. À toi qui as fait l'accouchement, la vie. Comment ça, lundi? Lundi nuit. Lundi nuit. Lundi, il n'y a pas son nuit, il n'y a pas son jour. C'est, lundi, c'est lundi. Oh bien. Lundi, on est venu à 22h là. Voilà. Donc, c'est lundi ou bien c'est dimanche? C'est lundi. D'accord. Les jumelles là, quand un vient, automatiquement un doit venir. Mais un là, il vient avec ses pieds. Il allait attraper les trucs dans la poitrine là-bas de la femme là. Et puis il allait attraper les choses là-bas comme ça, serrer sa main là. On dit ça ne sort pas. Et si c'était à l'hôpital, ils allaient opérer et puis ils allaient se soulever. Et puis il allait déchirer ce qui est dans le ventre là. C'est comme ça les gens mettent à l'hôpital après l'opération. Là. Un bébé qui peut attraper quelque chose. On a déjà quand il dit non, ça là, c'est pas simple. Je ferme mes yeux, je vois des vieilles femmes noires, noires, ils sont assis. Quelqu'un dit, prophète, on est venu te voir. Voilà, ils sont trois. On veut les trois. Mais comme toi qui es prophète, tu as demandé là, ce que nous on veut, il faut accepter. On prend un dedans et puis on te laisse deux. Affaire est devenue grave, ouais. Bébé là, un est sorti, elle est là. Sa maman est couchée, elle est en train de saigner. Donc on attend que soit la maman mère. Je dis je ne vais pas, je vais avoir les deux enfants là. Je dis non, 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 non. Il ne faut pas insister ici, là, tu vas perdre les trois. Nous on t'a dit la vérité. À cause de ton respect, on est venu te parler. Il faut nous donner un. Parce que c'est dans ta main ici, on ne peut pas prendre. Mais si c'est pour prendre tout là, là, on prend tout par la force. Même si on veut mourir, mais c'est qu'on a pris. Mais on ne veut pas mourir aussi. Mais on veut qu'on s'entende. Donne-nous un. J'ai dit, je ne veux pas. Jusqu'à on voit là, maintenant, la femme va mourir, vrai, vrai. J'ai dit, non. Il n'est pas question que moi, je vais faire accouchement et puis l'enfant va mourir dans ma main dans l'accouchement. Ce n'est pas bon. Donc, si vous voulez prendre là, c'est qu'on va faire. Vous me laissez, j'ai fait accoucher l'enfant là, il vient. Tout le monde le voit, il est là. Si vous voulez prendre là, après vous prenez un. C'est un, ils sont trois, vous prenez un dedans. Ou si vous prenez tout là, je vais descendre dans chez vous là-bas, je tue tout le monde. Allez, les sorciers là, j'ai les moins d'un. Avant, j'ai sorti des yeux, je voulais lui faire quelque chose. Martin, il a pris son cri que quand il était à son gars. Aïe, c'est Côte là qui est là. Il est croisé là-bas, il dit toi, j'ai tapé sur sa tête, il dit toi là, je te détruis dès demain. Il dit ah, ni envie de t'aimer dans ce radar. Il dit ni envie de t'aimer dans ce radar. Matin, il n'a pas dit quelqu'un. Il marche à pied, il n'a pas l'argent. En tant que DG. Il tape au 1, 2, 3, 1, 2, jusqu'à mon avis à ton garçon. Et il a dit non, il faut te retourner, le Dieu ne va pas te tuer. Alléluia. Amen. Donc la femme là, l'accouchement qui a eu lieu là, voilà, c'est un sorcier qui voulait tuer la femme qui fait enfant là. Maintenant, si toi tu ne vois pas et tu ne parles pas avec eux, tu n'as pas de problème. Mais dans l'accouchement là, c'est la loi qui est là. La mère et l'enfant. Si tu vois que ça chauffe là, tu lèves dans un. C'est deux. Quand tu donnes un là, quand on va accoucher mal, on attend un enfant, mais si elle a attendu deux, et puis ceux qui veulent la tuer, dis non, nous, si tu acceptes là, on va prendre un, on va laisser les deux là pour toi. Moi, je pense que c'est bon d'être. Ça là, je n'ai pas demandé la vie de quelqu'un. Je dis, ce que je ne veux pas, c'est que l'enfant ne doit pas mourir dans ma mère.
Si vous acceptez que je le fais sortir, que vous voulez prendre, j'ai fini mon travail, que vous voulez prendre là. Hé, enfant, la mère là, doit faire enfant encore. Elle doit venir accoucher un pour remplacer ce que vous avez pris là. Alléluia. Amen. L'accouchement là, délivre. Depuis de 2018 jusqu'à 19 au père, la plus terrible qui est passée avant qu'il y ait là ici. Et ça là, je vous assure que l'opération ne fait pas. Il y a 2018 là, on a fait des jumelles là. Ils sont collés dessus. On doit les accoucher, mais ils sont collés dessus. Les deux enfants là sont collés. Alors que quand ils sont ici, que le vent tape là, il devient dur un peu plus, ça colle vraiment là. Mais quand ils sont dans le ventre là, c'est comme tissu qui les colle, donc on peut séparer. Donc avec les capacités, les prières, j'ai mis ma main là-bas pour séparer les deux enfants et puis je les fais sortir. Des jumeaux collés là. J'ai un fils qui est docteur, il dit, mais papa, comment tu fais ce truc? Il dit, mais c'est Dieu qui fait. Tu penses que l'homme peut faire ça? Il dit, hein, sinon, la science ne peut pas démontrer ça. Alléluia. Quand ça ne va pas là, on prie sur la femme enceinte jusqu'à tu vas aller voir. Bébé là sort sur lui, il est couché là et puis la femme est couchée là. C'est trop mystérieux. On ne peut pas démontrer. Alors donc, on a dansé et puis la femme a eu la vie sauve. Donc la danse ici, il n'y a rien à faire. Il y a des pasteurs qui prétestent, ils disent non, on doit jouer sans son chrétien. Sans son chrétien là, on peut faire comment avec ça? Je ne sais pas, moi je vais danser Kofi Olomide. Dégué. Oui. Mets-moi Kofi dessus. Olomide, faut chercher des bachengues vrai que j'aime là. Pas que des faux là. Et travailler dessus tranquillement, sans s'en poser. Hé hey, madame, viens. Madame qui est assise là-bas là. Oui, il faut venir. Viens, c'est pas toi. Hein. La vieille, c'est pas toi, c'est la femme là. Tu reconnais ton chauffeur là? Tu le vois un peu? Je le vois. Je suis que c'était vous. Et dans là-bas même? Oui. Hein? Alors donc on t'a menti alors. Oui. Elle a appelé, elle ne connaît pas ici, elle a appelé. Oui. Et puis elle a eu, il a dit non, je viens te chercher. Alors elle a dit c'est vous le prophète, il a dit non, c'est son chauffeur. Va t'asseoir. Elle dit à son chauffeur, elle me regarde jusqu'à. Je suis chauffeur, nouveau chauffeur. C'est nouveau chauffeur. Alléluia. C'est l'humilité. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je vous apprends toujours là. Si je vais regarder ma fonction et mon titre là. Quelqu'un va venir me voir, il va appeler, moi il va aller le chercher dans ma voiture, à cause de quoi? À cause de quoi? Mais c'est l'humilité. Même si c'est un enfant, il faut te soumettre, c'est ça, c'est ce que Dieu a fait, puis je suis là, je vais construire une basilique là. Amen. Les petits prophètes, ils roulent la moto, mais ils sont orgueilleux. Tu vas aller monter sur sa moto? Le grand prophète? Non. C'est les orgueilleux là. Nous, quand tu arrives chez moi, la chose la plus remarquable, c'est l'humilité. Est-ce que vous comprenez? Oui. Au moins, si c'est quelqu'un qu'on connaît, là, on peut dire que non, il y a amitié, mais c'est sa première, toute première fois de venir. Mais même, il ne connaissait pas. Moi, je ne la connais pas. Elle appelle, elle dit, je viens des bateaux. On m'a descendu au carrefour là. Je dis, il faut rester là, il est venu te chercher. En plus, aujourd'hui, vendredi là. Si je dis à quelqu'un que moi, j'ai sorti pour aller prendre quelqu'un, vous ne pouvez pas croire. Mais l'humilité précède la gloire. Tous ceux qui apprennent à se soulever parce que
après Dieu c'est eux là, ils vont pas loin. Quand quelqu'un est humble là, c'est que Dieu est en lui, parce que Satan, c'est l'orgueil qui a fait que Satan s'appelle Satan, sinon avant il s'appelait Lucifer. Quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas. C'est pour embrouiller les gens que j'y porte, c'est d'ici, je ne porte pas ça là. C'est pour embrouiller les gens. Non. Non. C'est dommage que ça soit terminé cette fois. Le document en vie. Non. Un boubou. Lui, c'est le président. Ouais, ça, c'est ceux qui travaillent à la fonction publique là qui portent ça. Et c'est mon fils qui travaille à la fonction publique là qui m'a envoyé ça. Il dit, tu veux que je te ressemble, toi. Alors que ceux qui sont à la fonction publique, les ministres là, dans le gouvernement, tout cela, c'est des menteurs. Ils m'excusent, mais ils sont des menteurs. Moi, je dis la vérité, donc je ne fais pas pour porter même mon habit que... Et il ment. C'est vrai, il t'assure. Politicien, il va te dire qu'il est ici, et après, tu vas voir qu'il est là-bas. Mais ici, on a fait bureau de vote ici. La personne qui est venue là, tout le monde, on le suit, wow, wow, on criait, waya, 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 waya. Après, un autre est venu, on est derrière lui, wow, waya, waya, waya. Après, l'autre, c'est quoi? Oh, c'est des mensonges. Un autre va venir là, on le suit, on va te soulever. Deuxième va venir, on le suit, on va te soulever. C'est comme ça, c'est mensonge. Alors que dans le cœur, on sait ce qu'on veut. Que Dieu vous bénisse. Alors, les témoins là sont où? Il n'a qu'à venir. Le bébé, la femme et son bébé là. Où sont ses parents? Oui, il faut dire, écoute-moi. Ta sœur là, on l'a sauvé la vie, mais il manque de sang. Tu comprends? En tant que médecin en chef, je lui ai prescrit un ferramas. Hier, il y a quelqu'un qui était dans la réception et m'a dit qu'il était infirmier. Quand je vais dire à lui, il connaît. Et à cause des différentes déchirures, je préfère un antibiotique qu'on appelle septriazole. Ferramas, là, c'est médicament de sang, il va boire. Mais septriazole, là, c'est un antibiotique qui va tuer les plaies et les déchirures dedans. Ok? C'est ce que je recommande. C'est qu'ils ont pris les choses, pénicilline, tout ça, c'est petit que tu n'as pas fait affaire. J'ai le feu ce soir. Tu as compris? Il faut écouter, je suis là, t'as parlé. Je finis par mieux, non, attends. J'essaie de dormir maintenant, il y en a moins encore. Je m'en ai dit, je m'en ai dit. Je vais vous montrer comment vous avez fait. Donc, maintenant, on se dit. Alléluia. Amen. Il y avait une somme de santé tout près là. La femme, sa femme qui est là-bas, il se plaint pourquoi les gens accouchent au camp ici. Ce qu'on fait au camp ici là, c'est surnaturel. Si ce n'est pas surnaturel là, quelqu'un ne peut pas quitter Abidjan. Il va venir accoucher ici. Et la femme en question là, il vient du village des choses Kofi Nguessan la taille. On peut dire que c'est son parent. C'est l'argent qui le manque. Ou bien c'est quoi? Mais la spiritualité domine toute la nature. Il faut être spirituel pour décanter la situation. J'ai fini avec toi.
C'est ça. Que les gens arrêtent de dire, oh, le temps de prière là, c'est une prière. Mais ici, c'est un centre de santé. Dans la santé, tout c'est là sont dedans. Donc, Dieu là, il est Dieu de miracles. Et les choses, je vais la ressusciter de tout maudit. Non, pas l'autre. C'est qu'on a opéré là. Je vais la ressusciter de tout le monde. Tu sais, c'est la foi. On allait opérer la dame. Après l'opération, elle a mal de tête. Elle tombe dans le coma. Et sa maman, je ne sais pas qui lui a dit, mais elle dit, je veux tu as enlevé le joli foulard là. Ou bien tu veux. Tu veux périque là. C'est bon? Il y a qui sautait là. On devait aujourd'hui la terminer là, ils ont un peu. Il y a quoi? Ils ont penché. C'est ça qui te donne un peu de migraine. Ta maman a une femme de foi. Elle m'appelle, elle dit prophète. Ils ont opéré ma fille, elle veut mourir dans ma main. On est à l'hôpital. On est venu à la maison, on nous a donné rendez-vous maintenant. L'enfant a mal à la tête. J'ai dit non. Ce que je peux faire, c'est que vous m'envoyez le malade ici. Elle dit, elle est dans le coma, elle dit oui. Si le docteur te dit d'envoyer ça à Abigail, tu vas prendre un bilan pour partir. Donc si tu veux m'envoyer, tu m'envoies. J'ai coupé mon portable. On devait faire lundi. La femme n'a pas dormi. Elle a tout fait pour m'envoyer sa fille dans le coma. Je lui ai dit, madame, à cause de ta foi, ta fille vivra. Madame. Péric, est-ce qu'il y a un modèle de tête à part ou bien il y a... Il n'y a pas modèle de tête. C'est la même chose. Non, si je paye un... Elle fait pâté. Hein? Ton mari ne va pas me frapper. Maman, j'ai payé Péric. On m'a envoyé pour que je sois maintenant. Je m'a payé Péric pour lui. On ne va pas me poursuivre. Hein? Ils ne vont pas me poursuivre. Ok. Va, quand on va dans ce côté, le monde là, tu vas venir. Aïe. Voilà, les gens de 2014. Vous dites quoi? Voici ça ici. Là. Ouais, tu vois, c'est là dans un tasso. Il y a quelqu'un qui est boli. Mais quoi, la passe pas? Non, faut donner. Dès qu'il y a un micro là, là c'est ça allumé. Allô. C'est pas dedans, vous avez chanté là. Tiens, vous donnez. Alléluia. Madame qui est venue ici. C'est ici vraiment là. Pourquoi t'es trompé des prophètes? Ton papa. Ça fait longtemps. Elle veut qu'on parle à sa place. D'accord, je vais parler, je vais commenter. Moi, j'avais oublié. C'est elle qui m'a appelé la semaine passée. Son mari. Il a dit, monsieur, je ne vous connais pas, mais madame est partie là-bas en 2014 parce qu'on ne faisait pas enfant. Elle allait demander enfant et elle est venue, elle a eu. Donc on veut passer là-bas. Il a dit depuis 2014. Affaire là, peut-être c'est pas clair. Il a dit à un moment, tu vois, quand tu vas voir là,
Peut-être qu'il veut un autre encore, ça ne vient pas. Et c'est ça. Quand il va bien regarder au fond là, il veut un autre encore. Mais comme ça ne vient pas, là où ils se sont appelés, là où ils ont reçu un là. Faut qu'on va là-bas. 2014 en 2020, ça veut dire qu'on est dans 6 ans. Il dit ok. Je sais que vous voulez un encore. Donc vous venez seulement. Donc ils sont arrivés. Ça pour dire que l'enfant, c'est Dieu qui donne. Et moi, je suis un envoyé direct de Dieu. Vous comprenez? Amen. Voilà. Donc, c'est ça. Pour ne pas que les gens sachent. C'est ça, je joue la comédie. Quand ils viennent me voir, on dit, ah, attends. Est-ce que c'est un homme de Dieu, ça? D'autres disent, mais il pense là, est-ce que c'est un homme de Dieu? D'autres disent, est-ce que. Je dis, croyez du moins à cause des œuvres. Amen. Amen. Ok. D'accord. Je sais qu'il veut et encore. Ça, c'est sûr. Non. Elle a pris le mari ici. Elle a marié. Non, elle n'a pas encore trouvé de mari. Moi, je suis son père spirituel, son parrain. Alléluia. Amen. Ok, donc, vraiment, ils sont venus pour nous présenter l'enfant, pour bénir l'enfant. Et après, je sais qu'ils ont quelque chose à demander encore. Si ce n'est pas un autre, mais c'est autre chose encore. Et ils disent que il y a la vérité. Donc, venez me présenter l'enfant. Comment il s'appelle? Levez bien. Levez. T'es fâché? Non. Kamagate Aïcha. Hey, Aïcha là. Kodangosel. Ah. Et ta maman? C'est toi. Et c'est son papa. Son papa, lui, il est musulman. Oui, c'est un croyant. Les musulmans, moi, je suis content avec eux. Parce que je connais les prophètes. Les musulmans, il y a des chrétiens évangéliques qui disent que les musulmans vont parler au ciel, c'est faux. Les musulmans, là, ils ont leur place. Les musulmans enseignent la soumission, l'humilité. Il enseigne l'obéissance à la loi. Donc, un vrai musulman va aller au paradis sans problème. Mais des faux qui traînent là, c'est eux qui ne vont pas partir. Oui, il y a des faux, on dit qu'ils ne voient pas, ils mettent un coutoukou dans ces litagas pour voir tout ça. On va aller avec vous ça. Sinon, le vrai musulman qui obéit à la loi de la Torah, que la paix soit sur son nom, le prophète Mohamed. Ce qu'il a enseigné là. Actuellement, dans ta musulman, là, il y a plus de 5. Il y a 5 groupes là-bas. Ils sont beaucoup là. Ils deviennent beaucoup, beaucoup comme les chrétiens aussi. Je ne comprends pas. Oui. Chrétiens, oui, il y a catholiques, il y a protection, il y a assemblée de Dieu, il y a Sema, il y a Semi, il y a Semi. Ils vont. Donc, moi, je suis d'accord. Et je participe, je partage leur foi en Dieu. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour nous? Il y a un kaki dans ta main là, c'est quoi? Les prends. Il y en a dedans. Attends, il y a un regardé. Là, quand je vais danser là, il prend pour danser. Oui, il y en a dedans. Il y en a. Aïe. Non, il y en a même. Oui. Il y en a. Alors ça dit là, il ne faut pas que ça. Je disais que ça souffle là-bas, alors qu'il y en a dedans. Il peut avoir où? Il va non. Attends, il y a un ici. Deux. Il y a un ici. Trois. Il y a un ici. Quatre. Il y a un ici. Cinq. Il y a un ici. Non, c'est Yana. Ou bien, vous ne croyez pas. Non, c'est beaucoup. On est là-bas. Il faut garder.
C'est trop bon. Je suis content. Vous êtes première édition. Vous voulez pas et encore l'enfant là? Quelqu'un qui peut dire comme pour moi là. Professeur Chopeau, n'a rien fait. Et tu as l'enfant là avec mon père. Et tu fais enfant que tu viens me voir qu'il t'a pas donné là. C'est que tu es mort. Mais s'il n'a pas donné, on va te dire. On va pas te faire espérer, on te dit, on te donne pas. On te donne pas. Brava. Vuoi che... Ma non vuoi dire? No, è un altro lato. Nisa, è qua. Che è un altro paese, non è un altro paese. E ora è un problema, io devo bere. Se qualche anno di noi abbiamo un problema. Un problema. Oui, mamma ha fatto. Ke ba wura tare bo mense ma dede ma hu ani hu dede ma hu ni wa e kan ba ka eh wi ba e ya ki no ba mu ba ka ai ma me la ko yo ma yo ti apa ti no ma ye mu la ko ya han de la ye ma mu bre ye yu ni ye ma yi ya ki na mu ba ka na ba mu ko ta le o ke ho de ti ni gwa ri ye e ro ri bien ya wa ja bo ma le Et dis-moi, c'est la meilleure chose à mon sac. Il y a mis un bon masque. Oh, donc maintenant, est-ce que c'est quand même pas aimé? Non, moi, c'est. Non, yo. C'est pas pour moi, oh. Il y a pas d'aller où là, il y a moins, c'est pour moi, c'est. Non, yo. C'est que c'est quand même, c'est net, mais ils sont pas venus, ils me sont dit, ah, on m'a pas aimé. Mais ils me sont dit, ah, on m'a pas aimé. Il y a pas mal aussi, hein. C'est pour Caméléa. C'est pas pour mal de dire. C'est pas bien. Oh, c'est même lundi là. On finit l'accouchement difficile là. Je rentre à 13h. Je mets l'eau sur moi, je vais me laver. On m'appelle. On dit ouais, il y a une femme enceinte encore. Qui dit en train de venir? On dit bon, il faut venir. Il y avait d'être déçu. Quand je suis arrivé, les gens qui veulent d'être là, comme notre crédit là est sur lui là, tant qu'il n'a pas donné, elle n'accouche pas. Il a dit donc on essaie, ils vont aller. Quand ils sont partis prendre d'être là, ils ne sont pas arrivés. Maman, vous voulez faire une tâche à la maison? Et puis, c'est venu. Accouchement là, s'il y a problème dessus, si on ne règle pas là, petit accouchement comme ça là, tu vas perdre la vie dedans. Tu vas finir d'accoucher normalement, mais le sang qui va venir jusqu'à... On ne peut pas faire autre chose. Quand les sorciers veulent là, c'est nous on peut. Au moins, c'est si les gens qui sont dans les coins ici savent ce que nous on connaît là. Accouchement là, quand il veut faire là, on devrait prier d'abord pour ça. Vous comprenez? Donc je recommande à vos parents, à vous, allez-y prier pour vos femmes enceintes avant d'aller à la maternité, aller coucher, accoucher là-bas. Parce que dans les camps de prière, là, je suis le seul en Côte d'Ivoire ici qu'on accouche chez moi. Mais je ne suis pas là pour l'accouchement. Mais la personne qui est enceinte, là, il n'a qu'à passer ici simplement pour que je regarde. Je dis, va accoucher. Il y a des femmes qui sont. L'autre là, elle a fait une semaine ici. La femme insistrice là. Elle dit, va. Ils vont t'opérer, mais rien ne va t'arriver. Elle dit, papa, mais donc, dans ce cas, la fausse opération, il dit, Dieu m'a dit. De te dire de partir, que ton accouchement là, ils vont faire opération. C'est à l'hôpital, c'est pas ici. L'institutrice de là-haut, elle est partie, et quand elle est partie à l'hôpital, le médecin dit non, bien qu'il va être opéré, il va enlever l'enfant. Elle s'est pris retourner à la maison. L'opération a été facile. 2 semaines, elle était bien, elle est venue dire merci à Dieu. Vous comprenez?
ce qui est pour César, c'est pour lui. Ce qui est pour Dieu, là, c'est pour Dieu. Si vous avez des parents qui sont enceintes, là, il n'a qu'à suivre à l'hôpital. Il n'a qu'à aller prendre carnet. Il n'a qu'à avoir un docteur qui va les suivre. Il ne faut pas que vous avez négligé l'échographie. Il y a des femmes qui sont enceintes, il ne va pas à l'hôpital jusqu'à... Ils ont 9 mois. Ça, c'est pas bon. Si ça tombe dans la main des médecins, ça sera compliqué pour eux. Parce qu'ils ne connaissent pas la position de l'enfant. S'il vient avec la tête, s'il vient, les deux jumelles qu'on a fait, l'autre est venu à elle, puis l'autre venu à elle là. Donc, à l'hôpital, si on sait que c'est comme ça, on va te préparer ton opération rapidement. Et dès que tu passes ici, nous, on va te faire un scanner spirituel. On va nettoyer tous les petits, les mains astrales qui sont dessus dans les sorciers, à côté, là, on va les dégager, tu vas accoucher tranquillement. C'est pas ici qu'on accouche. Je peux prier pour toi que tu t'en allais accoucher à l'hôpital. Mais quand les gens insistent là, c'est là que les gens restent ici. Par rapport à cette femme-là, elle mourait. Celle-là aussi, si on ne paye pas, on dirait que c'était combien 6 000, à peu de 6 000 francs, qui fait 6 millions dans le monde spirituel. Elle allait accoucher, mais sans qu'il allait sortir derrière là, elle n'allait pas s'arrêter là comme ça. Ok. Donc, vous avez envoyé un demi-tarif avec un paquet de bougies. Donc, on va en bas. Papa, hein? Question. Hein? Le 10 janvier, j'ai un frère qui s'appelle à Dalois. Mmh. Elle allait accoucher, arrivée à l'hôpital là. Mmh. 15 minutes après, elle a accouché. Mmh. Au moment où les sages-femmes tâtent de payer l'enfant et autres. Mmh. Quelque chose se passe, la femme elle commence à perdre le sang. Mmh. Elle a perdu le sang, elle ne va plus à rattraper la femme et puis elle est morte. Elle est morte. Qu'est-ce que c'est ça? Toi, on va te mettre sur discipline. Mmh. Je suis ici et puis tu laisses ta femme aller non, dans la maison. Elle travaille d'abord là-bas. C'est là-bas, elle est et puis non. Et on va la mettre sur discipline. Là-bas, elle est. C'est les sorciers. Divano, les femmes enceintes là, on prend pour payer crédit. Mmh. Tiens. Dans la vie là, l'essentiel c'est que il veut une femme féconde. On peut prendre pour payer crédit. On peut prendre pour accepter garantie. On peut prendre pour demander crédit. Comme tu t'as demandé prêt là, hein? En Nani, on dit c'est comme ça qu'il y a des sillons. C'est comme ça qu'il y a des sillons. Et là, qui est faible, des femmes. Il y a ces béniens, et les cœurs, où il y a un blabier. Bon, il y a un oubard. Non, c'est Edibène, dans les hommes. Là, ton femme, on dit. Parce qu'elle est simple. Mais fais-tu là. Il y a quelqu'un qui faut que je fasse comme un bébé, qu'on dit, bon, il y a un bébé, son corps. Tiens, con. Mais je fais absolument, il faut que je fasse tout là. Donc, on va faire. C'est un cabot qui dit, on se fait un. Non, c'est. Et bon, on va dire, il y a des bien, il y a un frère, ou un ou mais quand même, on va signer un bébé. Tiens, bon. Et on faut oublier, on ne faut pas me convaincre. Oh, ben il faut me confier. De coup. Il y a un bien vrai, ben quoi, Tony? Ok. À fond, qu'on me remet en soi. Et maman, beaucoup de gens. On sait ça. Quand on. Et maman, il y a un bras, bon. Ben Tony. Ok. On ne va pas faire, ok. Ah, là, il y a un bas. Non, je suis moi. Je me suis dit que je bon, bon. Je suis dit que 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 je mais des dits. Donc, on a des cabots, il y a où ça. On a fait un moment, 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 et plein de cas, il y a un bain. Moi, c'est moi.
Il y a un gamin, un mot. Alléluia. C'est vaillé, mais c'est un gagnant. Digue. Je vais danser par Kofi Olomide. Apprêtez l'argent pour moi. Demander un son là. Si tu trouves, je n'avais pas te donner beaucoup d'argent. Je vais te donner 20 000.
Si tu n'as pas trouvé, prends 20 000. Hein? Donc, les sons là, je ne connais pas, mais faudrait s'en attirer, s'en avoir, je ne comprends pas. Donc, je vais chanter. Ne vous en faites pas, écoutez tranquillement. Les sons, ça fait longtemps, hein? Mais je sais chanter. Ok. Mais il n'y a pas de musique, comment je vais? Ok. Oseyeo, monteo. Manango sumao, mele sumao. Semeo yeyeo. Mele sumao, mele sumao. Oseye, obua seseo, obua seseo. Mele, oseyeo, monteo. Oye, oye. Mele sumao, mele sumao. Semeo yeyeo. Mele sumao. Mele sumao, o seye, o bua sese o, o bua sese o. Le troisième jour, c'est le divaso. Si tu as trouvé ça, tu prends 20 000. Si tu n'as pas trouvé, tu m'envoies 20 000 rapidement. C'est son titre là, Gérard. Il a chanté. Il doit trouver. Ça, c'est dans les bons vieux temps. Dans les bons vieux temps. Ou bien c'est dans un titre.
Thank you.
Mama,
J'avais essayé de faire quelque chose pour la personne qui allait en trouver. Mais si ça la reste et que ça ne tombe pas, je vais prendre pour faire quelque chose. Tu mettras ce mouchoir dans ta poche et l'argent ne manquait pas. Jamais dans ta poche. Ouais, là, viens. J'ai demandé jusqu'à. Voilà, un truc comme ça. C'est bien propre pour la vie. Ça vient chocou. Ok. Qui est décédé dans un incendie de gaz. Donc, on allait pour les funérailles. On a demandé qu'il va arriver aujourd'hui. Les parents disent sans que tu ne veux pas. Que l'envoyer jusqu'à le 10 du mois prochain. Avril. Oui. Non. Le même programme que ils ont fait. Le même problème là. Il dit qu'il va aller enterrer chez lui, les gens disent ça. On n'enterre pas chez eux. Mais le parti, le vieux. A dit que non. Ce qu'ils m'ont fait là, c'est ça lui aussi, il veut faire aussi. Mais il s'étonne que c'est moi qui est dans la même situation là. Ça dit non. Oui là, c'est pas l'homme qui va faire aussi. Pour moi là, Dieu va faire pour moi là aussi. En cas de venir pour le gouverneur là. Mais on a dit si c'est pas encore accepté. Voilà, donc comme tu as dit dans le bureau, il faut que vous partez. Tu t'appelles à tout. Et puis vous partez voir l'argent qui sont là-bas, là au juste. Parce qu'on a cotisé l'argent, ça y est là-bas. Cet argent-là, moi, en tant que conseiller, je retourne comme en l'œuvre pour essayer de gouverner. Cette fois-ci-là, il n'y a pas quelqu'un qui va l'aider. Personne n'a l'argent. Donc, toi qui es du bureau,
que vous avez mis sur le compte là, de 10 fois l'argent qu'elle a pas là. Donnez-moi le nom exact. Il n'y a pas à dire quoi que ce soit. On enlève ce qui on peut l'aider avec là. On va l'aider. Il est notre gouverneur, c'est un point, c'est tout. Si vous partez qu'ils ont enlevé pour couper, ceux qui ont bouffé vont repousser. Puis on va mettre dedans. Ça, ce n'est pas une affaire d'une seule personne ou quelqu'un. Non. Si on n'a pas vu ce qui est là-bas, là, on ne coupe pas. Tant que. Hein? Oui. Donc, on va faire. Je veux accepter ça. Tant que moi, je l'appelle là. Moi, je veux le carnet. Toi, Piado, vous trois, vous partez voir l'argent qui est là-bas. Vous comprenez, non? Parce que. Moi, l'argent, l'argent pour moi. Donc, pour un petit, là, il sait que je n'ai pas besoin de ça. C'est pour moi-même, ça est là. Donc, quand je parle en fait d'argent, là, la personne qui n'a pas fait de moi ici, c'est à la salle. Oui, mais c'est lui qui a signé l'argent, là. Donc, je ne vais pas me comparer à lui. Les autres petits, là, il ne fait pas. Tu as compris? Quand je parle en fait d'argent, quelqu'un sait qu'il n'a pas besoin de son argent. Si c'est pas ceux qui sont venus à la prière, qu'il y a besoin de l'un, mille francs. Pour vous, là, il y a trop besoin de ça. Il y a quelqu'un qui peut m'envoyer 1000 francs, même ça va trop me plaire. Ça, c'est l'argent. Quelqu'un même est content, il en a, il dit, tiens, pour vous, là, c'est bénéficiaire, il y a trop besoin de ça. Sinon, les faux agents, les gens là, ils ont cotisé là, je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas moi à faire. OK? Voilà, donc le soir, tu appelles à toi. Voilà, maintenant, moi-même, j'appelle le gouverneur. Et puis je vais voir l'argent qui est là-bas. Voilà qu'il y a un problème. Moi, je vais aller amener l'argent qui est là-bas. Même si c'est un prêt, je prends, on va t'aider. Et puis après, moi-même, je vais voir l'argent qui est là-bas. Et mes yeux. Tu as compris? Voilà. Comme je n'ai pas l'argent aujourd'hui, elle prend un prêt là-bas pour faire, pour attirer sa femme là. Le funéraire de sa maman là, les gens cotisaient 5 000. Moi, j'ai cotisé 250 000. Pendant que les autres donnent 5 000, moi, j'ai donné 204 000. D'accord, je vais s'arrêter à comprendre. Ok. Bon, motivation.
Yeah.